Oh là là, attends, il crevait bêtement comme ça. J'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Bon, allez, ça suffit. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise. Surprise dans 5, 4. Voyons. Transformez les corps souples en machine à tuer en durcie, page 70. Très bien, machine à tuer. Sauvez votre terre noire. En fait, non. Gagnons du temps. Putain, nique ta mère! Oh, ça va me casser les couilles, sérieusement. Juste que je suis mal positionné, en fait. Je suis à un mauvais endroit, j'en suis sûr et certain. Bon, allez, ça suffit. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise. Envoyez la prison de cuir et d'acier. Surprise dans 5, 4... Transformez les corps souples en machines à tuer endurcies, page 70. Très bien, machine à tuer. Sauvez votre terre noire et dites-moi ce que. En fait, non. Gagnons du temps. C'est toujours les C'est impossible, sérieusement. Ils veulent que j'utilise du non létal. Non, bah, c'est hors de question. N'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Bon, allez, ça suffit. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise. Envoyez la prison de cuir et d'acier. Surprise dans 5, 4. Voyons. Transformez les corps souples en machine à tuer endurcie, page 70. Très bien, machine à tuer. Sauvez votre terre noire. En fait, non. Gagnons du temps. C'est toujours la guerre. De gonfler, putain! C'est quoi encore cette merde comme mission là? C'est quoi ce délire? Ah ouais, bah tu m'étonnes, je suis en élevé, c'est en élevé. Ça suffit. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise. Envoyez la prison de cuir et d'acier. Surprise dans 5, 4. Putain, je suis choqué. Transformez les corps souples en machines à tuer endurcies. Devine combien de temps il faut pour les ressources. Très bien. Mais qu'est-ce que je crois? Je vais faire tout le temps. Avec des tapis de casque. Je sais pas. Il y a un peu de 3 minutes. Sérieux? Sérieux, j'ai déjà le compté. Et j'aime pas le faire pour voir si toutes mes connexions étaient bonnes. Je crois que juste le tapis, ça va faire un putain d'espace de stockage.
Ça, c'est abusé. Tu m'étonnes que t'as que des ressources pour poser tout ça. Ouais, vas-y, attends, ils étaient... Il y en avait qu'un, et même tout d'un coup, ils sont trois. Putain, mais sérieux, c'est de la merde, sérieux. Casse les couilles. Oh, mais il y a rien à foutre, bon, allez, ça suffit. Allez. C'est impossible. Donc c'est soit je suis trop avancé et puis qu'en fait j'ai en train de faire une mission qui est beaucoup trop avancée. Le problème c'est que je suis obligé de la continuer. Bon allez, ça suffit. Hein ? Pourquoi j'ai une notif qu'en fait je m'en suis. Ouais bah tu sais, il y a des retards. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans vos panneaux. Bon, allez, ça suffit. Oh, puis je fais n'importe quoi. J'ai une surprise. Surprise dans 5, 4. Voyons. Transformer les corps souples en machines à tuer à l'âge 70. Très bien, machine à tuer. Servez votre terre noircie et dites-moi ce que vous voyez. En fait, non. Gagnons du temps. C'est toujours de la dimanche. Je viens de faire un petit peu et je reviens pas. Ouais, ok, ça marche. Elle est trop loin. C'est quoi qui va pas alors? En fait, j'allais beaucoup. C'était beaucoup mieux avec ce flingue-là, en fait. Thank you.
Qu'est-ce que je voulais faire? Trop loin.
Mais t'es sérieux? Ok. Je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panier. Bon, allez, ça suffit. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise. Une surprise dans 5, 4. Voyons. Transformer les corps sous la machine à tuer endurcie page 70.
Bon, donc puis on va mettre réflexe, arme de poing. Voilà, hop. Donc, personnage, non, c'est pas ça, ça. On est parti manger. Oui, oui, oui.
Ah là là là, quelle misère. J'ai plus de balles. Comment faire? J'ai plus de 12 balles, t'as sérieux? C'est chiant. Puis là en plus j'ai même pas le level pour. Là il faut le level. Ah ouais non mais en fait j'ai en train de me battre contre des personnages de level 16 et j'ai que level 10. Voilà pourquoi un peu je me prends un peu beaucoup cher. Je comprends mieux. Sauf que là, je suis un peu dans la merde. Je n'ai plus de balles. Est-ce que le fusil à pompe que j'ai actuellement, il est bien? Enfin, celui que j'ai débloqué, là. Que j'ai ramassé. Putain, j'ai... Hein? Bon, c'est bizarre, quand même. Mais ce game, puis le système... Non, je cherche pas, t'as ton PC qui est en train de cramer, enfin qui est en train de te lâcher, c'est tout. Malheureusement. Non ! En formation ! Et vas-y, meuf, t'es morte, c'est plus bas. Ouais. Elle continue encore à parler alors qu'elle est morte. Avant, c'est tout ce que j'ai. C'est la première fois que je suis en dash de balles. Chez I am choking. Ah, voilà, ça y est. J'ai des balles, mais bon, c'est pas l'arme qui est la plus puissante que j'ai. Hein. Thank you.
Oh la putain. C'était pas trop tôt, hein. On va recharger. Ah. Vous aurez besoin de la liaison intelligente pour exploiter tout le potentiel du système de visée de vos armes intelligentes. Pour installer, consultez votre char QDOC préféré. Ok. Bon, bah, on va y aller, hein. Déjà, on va récupérer tout ce que les cadavres ils ont balancé là à terre. Voilà. Apparemment, lui, il en a récupéré. Oh. Ok. Allez, on range les armes, Napoléon. Au final, la plupart des humains sont étonnamment fragiles. Et étonnamment volubiles pour le faire remarquer. T'as si peur que ça de retourner chez Delamain? Tu veux pas accélérer le mouvement? Si vous êtes toujours en vie, c'est parce que vous suscitiez ma curiosité. Bien, vous avez réussi à détruire ce côté de ma personnalité. Un être solitaire, aigri et désagréable, que personne ne regrettera. Ça suffit. Vous espérez quoi exactement? Survivre? Vous pouvez encore bouger. Mais croyez-moi, vous êtes mort. Comment tu dis? Fin de la conversation. Je rentre. J'ai repris le contact avec le véhicule manquant. C'est vraiment la plus bizarre du lot. Oui. Et particulièrement impertinente. Je procède au virement d'une partie de votre argent. Putain, il m'en reste plus qu'un. Tu vas mourir. Bah, elle est où la moto? Et il est con, il le fait exprès, lui. Non, mais rien. Aïe. Et où est-ce qu'il me l'a mis? Sérieusement? Mais il est stupide! Je peux même pas aller la récupérer? Ah, si, c'est bon. Eh hey, les gars, je suis bloqué. Bah rien. Je suis bloqué. Oh là là, quel jeu de merde. N'importe quoi. Putain, on aura tout vu dans ce jeu. Ouais, c'est ça, en fait. Je suis dans un endroit où c'est v'là... On va dire v'là chaud. Dans 4 jours, j'ai Mbappé. Ah, là, c'est moyen. Ça va. Par contre, où est-ce que je pourrais me TP? Je sais même pas si on peut se TP là-dedans. Ah, bah, je comprenais pourquoi je me faisais baiser par ici, en fait. Niveau de danger, très élevé. Voilà.
Puis là, j'ai ma bagnole qui n'est pas... C'est n'importe quoi. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Ouais, monsieur, oui. On va aller à un Charidoc. Bon, c'est pas un Charidoc, mais... Il est où, le copain? Je l'ai vu, en plus, tout à l'heure. Il est où? Il est où, le copain? Le copain? Il est là, le copain? On va s'améliorer un peu. Parce que depuis le début, je me suis même pas amélioré. J'ai pas amélioré. J'ai pas mis de. Non, c'est pas là. Hop, c'est de l'autre côté. Enchanté. Vous avez l'air jeune pour un Charidoc. Ça vous pose un problème? Ça dépend. Si vous avez l'expérience, je ne vais pas me plaindre. J'ai travaillé 10 ans chez Moore Technologies, département recherche. Ça vous suffit. Pourquoi vous êtes parti? Moore Tech, ils payent plutôt bien leurs ingénieurs, non? Bien sûr, oui, ils payent bien. J'arrivais plus à dormir. Chez Moore, on fait de l'intégration directement au niveau des tissus. Crâne en titane, remplacement de colonnes. C'est un travail stressant. Il faut du temps pour qu'un nouvel implant soit viable et simple à installer. Du temps et des cobayes. Ah, je croyais qu'il allait dire du temps et de l'argent. Ah ouais, du temps et de l'argent, du temps et de l'argent. Mais d'ailleurs, pourquoi ça s'est pas affiché sur mon overlay? Ta truc, là. Normalement, dans les top donations, ça devrait être marqué. Mais c'est pas le cas. Bah oui, c'est ça que je voulais voir, mais c'est pas... Il faudrait que je le change. Il faudrait plutôt que je mette... Ah voilà, c'est ça qu'il faut que je mette. T'as, par contre, comment ça se fait qu'il y a plusieurs trucs là-haut? Heureux. Heureux. Bien mangé? Ouais. Putain, t'avais faux, ton cul de grand-mère.
dans ta pochette. Oui, mais tu me fais un tac dans ton ordinateur réparable. Et toi, tiens. Mais ta chienne, toi. Pourquoi il est en double, en fait, le truc, là, je comprends pas. Eh ben, démarre. Oh, j'ai fait bon. Bah ouais, il est bien en double derrière, donc pourquoi? Ah, ceci. Non, parce qu'il y en avait un qui était en double. Enfin, j'avais un doublon. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, le top donation, ça met pas... Je vais voir s'il faut que j'actualise, justement. Ouais, bah non, il veut pas. Ouais, comment ça se fait? C'est bizarre. Parce qu'en fait, t'as... Comment dire, t'as Flo qui m'a, t'sais, qui m'a lâché un petit billet. Et le truc, c'est qu'en fait, ça s'affiche pas sur mon live. Donc je comprends pas. Pas de problème. Installez-vous, je suis à vous tout de suite. Alors. Augmente le temps de piratage du protocole de piratage à 100%. Ah oui, c'est... oui, je me sais que pour l'instant, ça ne me sert pas. Cortex frontal. Bon, bah, je peux pas. Il faut avoir un 9 d'intelligence. Ok. Système immunitaire. Bon, bah, c'est pareil. Système nerveux. Ah, bah, il y a des trucs intéressants, là. Ralentit le temps de 30% pendant 2 secondes lorsque les ennemis vous détectent. Ok. Vous permet de viser et tirer esquivant, ralentit le temps de 60% pendant 1,8 secondes quand vous bloquez, visez et ou attaquez tout en glissant ou en esquivant. Temps de recharge 5 secondes. Oh putain, ça va. En fait, il n'y a pas de truc intéressant en fait. Ah, ça c'est intéressant ça. Par contre, ça, c'est intéressant. Du coup, j'augmente ma capacité de mémoire vive que je pourrais utiliser. Ça, je prends. Sur le squelette, ouais, non. Le bras. Ah, putain, je peux pas. Faut avoir 25% de... Ok. Et les jambes, bah, c'est pareil aussi. Putain, en fait, j'ai rien. Je peux rien faire, en fait. C'est nul. J'ai que dalle. On va voir le squelette. Bah, on va prendre ça aussi. Et après, on va prendre... Augmente le coût en endurance des attaques au corps à corps de 10%, mais augmente les dégâts de base des armes au corps à corps de 7%. Augmente la charge limite de 40%. Bon, bah, allez, on va le prendre aussi. Ça me fait combien? Putain, 43 000! Mais what the fuck? Comment on fait pour les enlever? C'est pas possible, je peux pas le payer, le copain, là. C'est quoi qui me coûte aussi cher? Ah bah non, en fait. Putain. Bah c'est bon, en fait. Tout est payé.
Bah ouais. Du coup, on va voir ça tout de suite sur nous, là. Oh, fabrication. Qu'est-ce que je pourrais fabriquer? Là, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, c'est les améliorations de mes armes. Hop. Hop, on prend. Toi. Il est meilleur quand même celui-là. Faut être niveau 16. Ok. Là après. Bah t'es sérieux? Un légendaire c'est beaucoup plus haut que celui que j'ai là actuellement? Alors que celui-là il est courant? Bon bah écoute. Hein. Moi ce que je cherche c'est les. Moi ce que je cherche c'est la. C'est les. Merde. Ça ressemble un peu à Destiny, tu vois. Les bleus sont des moments, ils étaient plus puissants que les que tes légendaires. Donc il y avait un petit souci. Ok, il n'y a plus de grenades de combat. Et puis c'est plus puissant, mais à niveau identique ou pas? C'est ça qu'il faut regarder, je pense. Bah oui, de toute façon, c'est regardé. J'ai regardé justement. Hop, voilà. Hop. Maintenant, je peux pirater. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh. Ouais, je préfère. Non, mais tu la laisses tranquille.
Merci. Je vais voir si je peux le trouver. Mais il est temps de rentrer. La main te demande. Rentrer en les laissant hurler comme ça? Non, impossible. Je m'en occupe. Je vais les faire taire. Très bien. C'est l'heure du jugement de lui. Il sera prompt et impitoyable. Oh le salaud, fils d'up, fils de ta maman, va. L'autre il m'a shooté dedans. Alors, Clarisse, les flamants roses ont cessé de hurler. Je devrais peut-être rentrer. Après tout, j'ai besoin d'aide. Seul quelqu'un portant une carotte pour engendrer une étoile dansante. Clarisse? Bienvenue sur le réseau de la mer. Comment allez-vous? Je connais mieux. Et toi, Adèle? Tous mes véhicules sont rentrés au bercail. Alors je dirais que je nage dans le bonheur. J'insiste pour que vous passiez à mon bureau afin de recevoir votre récompense tant méritée. Je tiens à vous remercier en personne. C'est quelle heure? T'as déjà 20h. Oh la fin, je vais déjeuner. Je vais me faire un peu. Oh, moi, je reviens. Hein. Ouais. Thank you.
j'arrive. Ouais. Ouais. Oh, là, là. Oh merde, j'ai oublié de prendre la photo. Alors, t'en penses quoi du coup, Fenor, du jeu? Bah, franchement, il est super intéressant. Et t'as vu, il est vachement complet. Hein. Ouais, ouais. Puis t'as vu les missions pour. Moi, j'ai bien aimé, c'est que c'était une mission différente à chaque fois pour les voitures. Alors, j'ai pas trop fait gaffe à ça, mais. Bah, en fait, j'avais 7 voitures. J'avais 7 voitures à récupérer. Et sur les 7, en fait, c'était une voiture différente. Enfin, c'était une voiture où la mission était différente. Ils apportent un paquet de variétés. Ouais. Je veux pas tout relier à ma place pour mon manbus. J'en ai déjà marre. Bye bye. Je sais qu'une fois que ça sera fini, ça sera plaisant, mais putain que ce que c'est. De toute façon, c'est toujours comme ça. Pour te dire, qu'est-ce que j'en ai chié, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. J'espérerais. Bah pourquoi tu l'espérerais pas? J'en sais rien, justement. Bah alors. Faut pas voir le côté négatif, voyons. Mais... Faut toujours être positif. Je suis d'accord. Comment ça va, Night City? C'est Stan avec vous. Vous avez entendu la dernière légende urbaine qui court en ville? Sur ce type, aussi vite par un démon. Il erre dans les rues en suppliant les gens de l'aider. Il paraît que c'est un ancien agent de Métrouche qui a plongé trop profond dans le net et qui n'était plus lui-même à son retour. Oh, moi je sais pas si c'est vrai, mais ce sera un super scénar de blockbuster. Thank you.
Bon, tu vois, là. Il y a une laisse aller. De quoi une laisse aller? Je vais me voir. Allez, c'est bon. Ouais, je ton gamin, tu vas avoir une seule fois. Hein. Ouais, bah c'est bon. Bien mangé. Ah, par contre, j'ai froid. Bah, tu sais, j'ai juste déjeuné. Bah, je reviens. Qu'est-ce qui me fait chier mon vélo? Ah, c'est vrai que j'avais des fruits à croquer aussi à manger. Oh bah tiens, allez. Hop. J'avais complètement oublié que j'avais ça. T'as ramené les boulots? Hein? Parce que t'as ramené les boulots? Ouais. Il y a eu un petit souci dans mon... Je sais pas pourquoi, mais ma carte graphique, elle a fait un truc chelou. Tu l'as vu? Elle a fait des stridents, mais tu sais, en perspective. Mais comme si, que tu sais, la carte graphique a saturé. C'était bien bizarre. D'accord, je vais me faire un tour sur moi-même, en marche arrière, normal. Allez, je viens de voir tes strigons. T'as vu? Puis après, j'ai fait une marche arrière tout seul, pour rien. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui l'ai fait, hein. Tu sais, ça fait comme si que c'est un truc, tu sais, que la carte graphique saturée ou un truc comme ça. Allez. Faudrait que je regarde les performances, tiens, pour voir un peu. Là. Hein? C'est quand même bien pour le jeu, ta carte graphique. Ah bah oui, largement.
Je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est pas ta carte graphique. À mon avis, c'est le jeu qui a bugué. Tu penses que c'est le jeu? Bah, j'espère, hein, parce que la merde. Hein. Surtout que j'ai pas fini de payer en plus. Activité criminelle suspecte. Neutraliser tous les ennemis présents dans la zone. Bonjour, monsieur. J'ai oublié de vous demander de me rendre le scanner. Si vous l'avez avec vous, merci de bien vouloir le remettre à sa place. Vous avez retrouvé tous mes véhicules. Je vous exprime toute ma gratitude pour votre aide. On aurait dit que je courais après des différentes humeurs. C'est plus complexe que ce que je pensais. Oui. Eh bien, je vous ai transféré le reste de votre argent. Encore merci pour votre aide. Comment ta personnalité a pu se diviser? Pourquoi? C'est une bonne question. J'essaie d'y répondre. Mais je crains de ne pas en savoir plus que vous. Merci. C'était un plaisir de bosser avec toi. Pour moi aussi. J'espère que l'occasion se représentera. Je vous souhaite une agréable journée. Comment t'as atterri à Night City? J'ai bien peur que mon avocat ne m'ait déconseillé de répondre à ce genre de questions. Je voulais pas être indiscret. Mais tu peux peut-être me dire comment t'as monté cette compagnie de taxi. Ah, ça, ce n'est pas un secret. J'ai racheté une entreprise en faillite, mis en place une bonne stratégie commerciale, et voilà le résultat. Mais pourquoi une compagnie de taxi? Voir du pays. Madame T, rencontrer des gens intéressants, que demander de mieux? J'ai jamais vraiment eu l'occasion de te remercier, de m'avoir sauvé la vie. C'est tout naturel. Vous êtes un membre de choix du programme Excelsior. T'as dépassé le cadre du service premium. Merci. Ça fait quoi d'être une IA dans un monde gouverné par la matière grise? Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est un environnement complexe, régi par ses propres lois. Mais sérieux? Perso, j'appellerais plutôt ça un bordel innommable. Peut-être que seul un étranger peut apprécier la beauté de son architecture fractale et la structure de la vie et de la mort. Selon moi, les éléments chaotiques lui donnent un avantage. La capacité d'évoluer rapidement. Alors c'est ça ton but? T'étendre, évoluer? Le monde est un processus. On ne roule jamais deux fois sur la même route. Sans ironie, vous et moi sommes aussi des processus évoluant avec le monde qui nous entoure. Je te considère pas comme un étranger. De la part d'un humain, cela me fait chaud au cœur. J'ai fait de mon mieux pour m'intégrer. Alors, t'apprécies la beauté? Quand on vit parmi les humains, il est essentiel de trouver un point de convergence fondamental. Le bien et la vérité sont des principes qui causent la discorde. La beauté, elle, est universelle. C'est tellement bien dit. Hein? Ça fait quoi d'être une IA dans un monde gouverné par la matière grise? Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est un environnement complexe, régi par ses propres lois. Mais sérieux? Perso, j'appellerais plutôt ça un bordel innommable. Peut-être que seul un étranger peut apprécier la beauté de son architecture fractale et la structure ouais. De la... Ouais, ce que je viens de remarquer. Bah, je sais pas ce qu'il me proposait encore le truc, toi. Donc, je sais pas. I. Level 9. Hein. Ah, c'est bon, ça. Bah, elle a l'air devenue incompatible, la promo. Bah, je sais pas. Ils m'ont bien. Hein? Ils m'ont bien. C'est quand je vais la mettre qu'elle devient incompatible. Bah, ça se pourrait, hein. Ça se pourrait. Ça, avec eux, on peut s'attendre à tout. Hein. Ok. Attends, j'arrive. Ouais.
Alors, ces deux-là, ils sont moyens, donc ils sont élevés, c'est hors de question que j'y vais. Danger très basse. Oh bah, vas-y, allez, c'est parti. Attendre que la caisse soit réparée. Danger très bas, tu vas rouler sur le mur. Bah, en fait, j'ai rien, je peux rien faire, donc j'attends. Donc, on va choisir une autre mission. Parler à Barry. Trouver tous les graffitis. Aller au stand de tir. Allez, on va aller au stand de tir. C'est parti. Il y a des secrets dans le jeu comme des graffitis. Ouais, non, c'est des trucs, des graffitis à récupérer, c'est une mission. C'est qui ce? Je connais pas encore, mais ça va pas tarder. Dino, je m'occupe du centre-ville. Ouais, j'ai entendu parler de toi. Ah, en fait, j'ai en train de voir avec. En fait, j'ai en train de parler avec tous les mecs, tous les gros gangs. Dino connaît tout le monde. Enfin, j'ai en train de parler avec tous les mecs de différents quartiers. Donc dès que je vais rentrer dans un nouveau quartier, ben ils vont m'appeler et puis voilà. Ben, c'est pour trouver du taf, c'est pour travailler. Et ben Dieu, j'ai besoin de Dieu, comme Pizzou. Ça m'énerve de pas trouver. Merde. Experience all of Chromanticore's 16 new flavors and mix it up. Ton placard ou quoi? C'est simple, ok? Il y a une cible, vous tirez dessus. Vous pouvez même tirer sur celle du voisin. Vous tirez aussi le plus de tir. Tiens, ça vient, c'est où, c'est le voisin? Ah oui, que des petits calibres. Vous ne tenez pas vous la jouer avec un putain de fusil d'assaut ou un lance-roquet, ok? Premier prix, un flingue. Mais un super bon. Et il arrache, je vous dis. Ok. Enfin bref, je m'arrête là. C'est pour l'émotion. Prêt? Thank you.
presque du coup avec un double canon. J'ai dit que des petits calibres. J'ai oublié mon tracteur. Ah. C'est pour ça qu'on range son feu dans un holster. Un holster. Allez, dégage le babu et que ça saute. Ah oui, d'accord, l'autre il est au fusil à pompe. Ça va, je m'en vais. De la confiture à des cochons. Allez, 3, 2, 1. Allez, je gagne un flingue. C'est bon, ça. Récupérez votre récompense. Merci, Wilson. C'est vrai qu'il a de la gueule. Ouais. Eh, ça va? Y a tout qui cloche? Y'a tout qui cloche en ce moment. Le concours a servi à que dalle. J'ai pas fait une seule vente. Pas une. Évite déjà de traiter tes clients potentiels de... petites bites. Ok, mais... putain, ça se respecte, les flingues. Tu sais pas tirer, bah tu tires pas, c'est tout. Ah, prends soin de toi, V. A plus. Oh là là, hey, du premier coup, boum, allez hop, j'ai eu le... le flingue. On va voir ce qu'il donne. Alors, non, c'est dans l'inventaire. J'avoue qu'il a de la gueule. J'avoue, il a une belle gueule. Hein. Pas dégueulasse. Hein. Puis en plus, c'est un épique. Alors, augmente les dégâts infligés aux membres de 5%. Donc, plus de 7 à 8 dégâts physiques. Plus 4% de chance de mettre un coup critique. 0,08% de bonus de dégâts des ricochets. 6% de chance d'hémorragie. Et 1,20 multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête. Élimine le recul horizontal. Emplacement de la lumière de la lunette vide. Emplacement du canon vide. Augmente les dégâts infligés aux membres de 5%. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Mais tu vois, par contre, celui-là, il est beaucoup plus haut que celui que j'ai là-bas. Oui. Donc, hein, on va garder celui-là. On va voir les statistiques un peu. 100... Ah ouais, en fait, j'ai que des coups critiques. Dégâts critiques, 104. 104 coups de coups critiques. Le prochain, c'est niveau, enfin, réputation 14. De nouveaux objets seront disponibles dans les ventes. Ok. Char Kudok vous vendront de nouveaux implants. Niveau 20. Magasin de vêtements. Armes. Nouvelles armes. Et, putain, il est rang 50. Chez un peu à bouillir. Hein.
Est-ce que j'ai des éclats? Non, j'en ai pas. Tarot. Ah, il n'y en a pas beaucoup à récupérer en fait. Message. Oula, j'en ai des messages. Passe-moi dans ma petite paroisse quand tu auras un moment où on pourra discuter entre amis. Le padre. C'est le padre qui parle, qui a parlé. Alors, la nuit dernière, sa tanière derrière la cinquième bambou de hameau, le renard sort pour chasser. Il étanche sa soif à l'abreuvoir. En attendant ton arrivée, il se terre à l'ombre des cerisiers. Le renard est prudent, craignant que l'eau ne soit contaminée. Il ne se montrera pas tant qu'il ne sera pas rassuré. Tu te fous de ma gueule. Tecmura. Merc amateur, oui. Oui, c'est Tecmura. J'utilise un prépayé avec une connexion sécurisée, mais je me suis dit qu'il voulait valait mieux utiliser le code secret que j'ai inventé. Je me doutais que ça passerait. Ça dépassera tes compétences. Rendez-vous sur le quai de Chanel 1. Viens de nuit, si possible, si personne ne te suit, je me dévoilerai. C'est bien compris, il faut que je fasse plus simple. Voiture avant, ouais. Ça, ok. 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 Putain, laisse tomber tous les messages que j'ai, truc de ouf. Ok. J'ai plus de module d'amélioration. Alors, ensuite, ça on verra plus tard. Par la Barry. Payez votre dette à Victor. Ah bah oui, il faut que je lui paye ma dette, c'est vrai. Bah allez, c'est parti. On va les payer. C'est ton charculogue du... C'est ton charculogue, là? Ouais, c'est... Tu sais, c'est lui au début, là. Ah, ouais. Bah, c'est lui. Et vu que j'ai l'argent, bah, je vais pouvoir lui le payer, quoi. Donc, ça veut dire que tu n'auras plus... ne jamais le payer, quoi. Ah, si je voudrais, ouais. Parce que c'est une quête annexe. Mais bon, tu vois, je suis pas un enculé. Je vais aller le payer. T'as ma moto, elle est encore là. Ah, mais eux, ils vont casser les couilles, là. Dégagez. Oui, t'avais pas mis de la camelotte. Hein? Il t'avait pas mis de la camelotte, en plus. Ça. De quoi de la camelotte? T'avais mis un œil bien plus élevé que ce que tu as droit. Ah oui, bah oui, tout à fait. Bah est-ce que c'est ce qui me permet de voir combien d'armes j'ai, enfin combien de balles j'ai dans mon chargeur? Pas plein de trucs comme ça, quoi. Ah ouais, c'est ça.
Tu t'es occupé du corps de Jackie? Je croyais que t'étais au courant. Merde, tu devais être dans les vapes quand je t'en ai parlé. Parler de quoi? Arasaka. Ils sont venus et ils l'ont embarqué comme ça. Quoi? Où est-ce qu'ils l'ont emmené? J'en sais rien. Ils m'ont fait coucher sur le sol, les mains sur la tête. J'ai essayé de demander. Tu sais comment c'est avec les corpos. Putain de costard. Bon boulot, ça va? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasaka commence à recruter des mercs indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider et supporter tes gérémiades. Ouais, lui louer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passé un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie. Il y a un truc que je vais faire, en fait, que là, ça va pas le faire. J'ai deux, trois questions sur la puce et sur Silver End. Quand je vois la quantité de plaques d'alu qu'il me faut, j'ai pas envie de faire de l'aller-retour sans arrêt. Donc je vais faire un convoi. Il a essayé de me coller un très plat. Quoi? Ah, d'accord. Comment je fais pour le retenir et l'empêcher de me tuer? Tant que tu lui laisses pas le contrôle, il peut pas te faire grand-chose. Mais au bout d'un moment, là, t'auras vraiment plus le choix. J'attends et ton temps. Quoi? On va pas attendre de le savoir. Trouve un moyen de te débarrasser de Silver M. Et vite. Ouais. Merde. Ouais, donc. Là, il va me falloir une vingtaine de conteneurs industriels de plaques d'alu. C'est sérieux? Ouais, c'est énorme ce qu'il me faut. C'est vraiment énorme. Ah, putain. Bah, après, j'ai pas le calcul, si tu veux. Mais quand je vois tout ce que le nombre d'allers-retours que j'ai fait déjà et le si peu que j'ai fait, je me dis qu'il faut bien ça. Quoi. D'accord, alors merci. Bah, ouais, tu sais, tu dois être le possesseur de reliques le moins fortuné, au propre comme au figuré. Pourquoi je relis les souvenirs de Johnny? Vous partagez le même cerveau. Il a accès à tes sensations, tes perceptions, et même à certains souvenirs. Et toi, tu as accès aux siens. Au bout d'un moment, tu sauras plus si c'est les tiens ou les siens. Putain. J'ai enfin récolté assez d'édits pour tout rembourser. Garde-les, juste au cas où. T'en as plus besoin que moi. Je n'ai pas tout emporté dans la tombe, et... Tiens. Et encore merci d'avoir fait tout ce boulot sur moi sans voir la couleur d'un édit. Les amis sont là pour ça. Écoute, te moque pas, mais je vois des trucs bizarres en ville. Des sortes de fresques. Mais je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder. Non, les images sont trop complexes pour un bug. On dirait des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau n'arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose? Non, vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Aïe. Voilà. Sérieux, je peux plus lui parler? Ah, ça me fait peur. Je me disais que je pourrais remplacer mon chrome. T'as de nouveaux jouets? Jette un oeil. Je vais essayer de faire live Twitch. Thank you.
Elle est pas mal celui-là. Libère une décharge électrique infligeant des dégâts correspondant à 20% de la santé maximale de l'ennemi ciblé lorsque votre santé descend à 15%. De toute façon, j'ai pas l'argent. Ah, je peux me l'acheter? Oh bah vas-y. Hop, amélioration de mon armure. J'ai une peau, enfin mon... J'ai plus de trucs. Quoi c'est SC? Nombre de rechange classe, il faut. Alors il vous faut 20 réputations pour acheter cet objet. D'accord. Ah bah c'est pour ça, je suis bloqué en fait là. Hop, allez, c'est bon. Je suis en train de m'améliorer. C'est bon ça. Alors on va faire continuer des missions. Oh, t'es qui, toi? J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Tu peux me la décrire? J'ai scanné, regarde. Un tarot. Un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. T'as dit quoi? Un arcane majeur? Une carte de tarot. Un archétype. Un savoir sous forme symbolique. Une étape dans le voyage de ta vie. À toi de choisir. Bon, bref, tu dis qu'une puissance supérieure me parle à travers les tarots. À toi ou à Silverhand, ou à vous deux, vu que vous formez un tout harmonieux pour le moment. Ça simplifierait les choses si cette puissance supérieure était plus directe. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions. La lumière a du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Ouais, super. Et moi, je fais quoi d'un signe que je pige pas? Qui vient d'une puissance dont je ne sais rien. Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors, tu dois la suivre. Je sais toujours pas ce que je suis censé faire de ce que je trouve. Cherche d'autres images. Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Trouver la vérité, c'est pas franchement ma priorité en ce moment. Une épreuve difficile t'attend lorsque tu devras choisir la route à suivre. Alors, tu comprendras. Je sais pas. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. Bon. Qu'est-ce que... Tu les battes? Ouais, c'était chelou, là.
Ouais, toi, maintenant, je suis à 8. En mémoire vive. Bon, bah, allez, on continuera ça demain. Hop, on sauvegarde. Bon, on sera autre chose là. Ouais, je vais partir sur Satis. D'accord. Donc, je dis M1. Hum? Non. Ouais, tu vois, à chaque fois, j'ai ce rapport-là. Un rapport d'incident à chaque fois. Ouais, c'est pas normal. Hein. C'est vraiment qu'ils ont un bug. Hein. Mais c'est pas comme si le jeu était en early access. Quoi. Là, c'est quand même la version définitive. Quoi. Ouais. Et pourtant... Mon PC a mis... merde, j'ai mis sur... j'ai mis Destiny. Et surtout que le PC, il est... Enfin... Toi, le truc, il a mis pratiquement tout en ultra, etc. Il s'est adapté à ma... Ah, bien sûr. À ma config. Donc...